Question de goût, Eric Boschmann. J'ai l'honneur et l'avantage de recevoir Jérémy Classe aujourd'hui. Jérémy, tu es le responsable des achats de chez Rob, le plus grand caviste en Belgique. Ça se situe à Woluwe, en région bruxelloise. Et puis on se connaît dans la vie, donc on va continuer à se tutoyer. Bonjour Eric. Dis-moi, tu es là pour nous parler de vin de Loire, et plus précisément des fines bulles du Val de Loire. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Ben, fines bulles, ça c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est bien la caractéristique des bulles de Loire. On a un côté vraiment très très festif, très agréable, très joyeux. Mais aussi de la finesse et de l'élégance, en général chenin. Et le chenin, dans quelles appellations en particulier pour toi ? En Saumur, en Vouvray par exemple, ça peut être en Crémant aussi. En Crémant de Loire, effectivement. Appellation qui monte, on en parle beaucoup, même les Touraines Mousseux, on en parle de plus en plus quand même. Ben oui, ça marche de plus en plus, effectivement. Les gens cherchent des alternatives et en l'occurrence, sur la Loire, il y a des choses magnifiques. Ouais. Et le client est réactif ? Oui, très très. Une fois qu'ils ont goûté, ils y reviennent en général. Dans des catégories brutes, demi-sec, ultra-brutes ? Toutes les catégories en fait, parce que l'avantage du chenin, c'est qu'on peut le trouver vraiment dans toutes les catégories. On peut le trouver par exemple en demi-sec, en dessert, c'est vraiment super. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est très simple. Retrouvez-nous sur Vin de Loire Wynen sur Facebook, et puis vous verrez la photo de Jérémy souriant derrière son micro. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.